Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, pour une fois, je vous fais une vidéo où je suis malade. Donc je vais vous demander un peu de patience. En fait, c'est le haul de ce que je vais faire. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce qui n'a rien à voir avec ce que je vais faire. Donc j'ai repris, enfin j'ai trouvé des stylos faits pour mettre des perles. Voilà, originaux. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Bon, ça c'est pour moi, c'est pour mon plaisir. Et peut-être aussi pour vendre sur les brocantes. Pas les marchés de Noël. Non, ça n'a rien à voir. Ensuite, je me suis pris pour mon téléphone, n'est-ce pas? Et oh magie, quand on l'ouvre, il y a deux miroirs, un grossissant et un normal. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'installe pas, mais je pense que ça ne va pas gêner si je l'installe. J'ai été très malade là. J'ai dormi, j'ai. Enfin, je vous raconte pas. Je me suis pris. Je croyais que c'était un tumbler. Non, c'est un mug géant. Hello Kitty. Je vous fais le tour. Voilà. J'ai pris la petite choupinette. Qui allait avec, ça va pas l'un sans l'autre, mais non. Bon, d'accord, on a la paille avec le mug. Alors, il y a une chose exceptionnelle, le mug, quand on retire la paille, je vais essayer de pas mettre de gouttes partout. Voilà. Et ben là, vous avez le trou, d'accord? Mais on le fait tourner et ça bouche le trou, l'autre trou, là, ici. Vous voyez, il y a un trou. Et on fait le sens contraire. Quand on veut mettre la paille. Voilà. Bon, alors là, on n'a pas fini avec ce qui n'a rien à voir, mais il faut que je trouve le moyen de sortir parce que j'ai à peu près rangé. Alors, je me suis repris trois. Voilà, c'est les mêmes numéros que l'autre. De 1 à 30, 37. Donc j'en ai repris trois. S'il y a besoin pour des autres canevas, ben je les ai. C'est bien pratique. C'est pour mettre les fils à canevas. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Je me suis pris ça. Alors, qu'est-ce donc? Ah, c'est un tambour, tout simplement. Mais regardez, hop, il peut aller dans les coins. Ah, coin et recoin. Coin, coin. Et puis alors celui-là, non mais hé,
Celui-là, c'est un 23 par 33. Il y a de quoi faire, hein. Ah, je suis parée, là. Mais j'ai attendu longtemps avant de me prendre. Ça, j'ai attendu. Bon, ben maintenant, que je fasse le sens contraire. Parce qu'on arrive à ce que je vais faire. Excusez-moi, j'ai vraiment été très malade. Donc, je mets là en attendant. Je vais vous montrer tout ça. Si je trouve la place. Et il y en a encore un. Voilà, ça se range en même temps. Bon, alors, ça vous saurez pourquoi après. Ce sont des pâtes anti-glisse pour mettre sous les tasses. On y vient, on y vient, on y vient. Attendez. J'en ai déjà utilisé deux. Hein. Je vais mettre là. Bon, d'accord. Dis-le si on te gêne. On va commencer par celui-là, tiens. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours la paille qui va de la même couleur. Hein. Vivi. Vivi, Vivi. Oui, c'est donc quoi ça? Je vais vous montrer. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez être étonnés. Hop là, attendez, je me débarrasse. Parce qu'il y a des petits trucs au fond. Voilà. Alors, qu'est-ce donc ça? Vous voyez, il y a un petit trou là. Qu'est-ce donc? C'est des verres boules de neige. Bon, là, on a les bouchons. Il y en a deux à chaque fois, donc voilà, c'est bien. Alors, on y met, on y met, on y vient après. Attendez que je le range et je vais vous montrer les couleurs. C'est pas la peine, c'est les mêmes. Donc, c'est pas la peine que je redéballe. C'est les mêmes, exactement les mêmes, sauf la couleur. Ah ouais, non, mais la gorge et le nez, ils ont trinqué. Hein. Alors, violet, fuchsia ou framboise plutôt. Et pour le dernier, noir. Bon, les prochains, je les prendrai sans couleur. Parce que il y a des gens qui vont se battre. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Enfin, bon, bref. Hein. De la colle. Ça y est, je cherche mes mots.
Pas de la colle anti-fuite, quoi. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. De la colle. Ah bah j'ai plus le mot. Ah bah ça c'est ballot. J'ai plus le mot, c'est ballot. Hein, ça rime. Oui, bon, ça me reviendra. Hein. Mais il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, franchement. Je vais en reprendre, mais voilà. Alors. Ah, mais. Je vais vous montrer une chose à laquelle je suis déçue. Ça, ce n'est pas de la poudre, mais des petits cristaux. J'ai peur qu'avec le frottement, parce que ça se secoue, j'ai peur que ça abîme le plastique, parce qu'ils sont en plastique. Je sais pas, il faut que je m'en demande conseil, franchement. Des paillettes noires. Ça, j'avais pas. Et j'ai craqué, j'en ai pris deux. Trop jolie couleur. Ça va faire un effet bœuf, ça. Ensuite, déçu encore parce que c'est tout petit, mais je vais faire des mélanges. Voilà. C'est pas grave, on fera le mélange. Hein. Par exemple, celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Dans les tons, quoi. Hein. Celui-là avec celui-là. Voilà. Celui-là avec celui-là. Après, il n'y a qu'un noir, donc je le mettrai avec le noir. L'argenté, bah, il peut aller avec tout. Le doré, il peut aller avec du rouge, mais il n'y a pas de rouge. Enfin bon, bref, quoi, voilà quoi. Je vais m'arranger. On trouve toujours des solutions. Ensuite. Vous savez ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas de la mousse. Ça y ressemble comme ça, mais ce n'est pas de la mousse. En fait, c'est des petits flocons de. J'ai pas entendu. Pas de neige. Bah oui. J'ai de quoi faire quand même. Alors, pour mes futures boules de neige, parce que je vais faire des boules de neige, j'ai prévu les petits sapins. Voilà, avec la colle résistante à l'eau. Oui, voilà, j'ai trouvé un peu de mots qui c'est un peu similaire. Et alors, pour la déco, 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 oui. Je regarde si c'est l'endroit, c'est comme ça. Il y a celui-là. La déco des verres, hein. Il y a celui-là. Attendez. Oui, et j'ai pas montré l'autre truc. Il y a celui-là. Et celui-là. Bah tout dans le thème Noël quoi. Hein. Donc on les remplit avec ceci. 250 mg. Millilitres, c'est pareil. Donc un dixième. Ça fait 25, c'est impeccable, c'est indiqué. J'ai pas à me prendre la tête. Et après, il n'y aura plus qu'à secouer.
Ouais, là. Vous savez tout. Je me lance dans une entreprise. Ah oui, aussi, une chose qui est énorme. J'ai un marché de Noël pour 2 jours. J'ai intérêt à y aller. Yalla, yalla, yalla. Yalala. Ouais. Non, mais je pense que les petits cristaux, ça devrait aller avec la neige. Pour un, deux, trois, je sais pas. Oui, la neige est forcément la neige, c'est pour les boules de neige. Ah. Bah oui. Hydro. Moi, je me souviens plus. C'est en français ou c'est pas en français? C'est pas en français, ça. C'est pas en français. Je me souviens plus du mot. Bon, ben voilà quoi, je me souviens plus. Hydro, à quoi? En fait, c'est anti. Comment dire? Je cherche, hein. Je cherche mes mots. Anti-fuite, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Et qui résiste à l'eau. Donc c'est fait aussi pour coller les petits sujets dans les boules de neige. Parce que ça se colle au bouchon les petits trucs et après hop on met dans le hein? Voilà donc il fallait cette colle là je me suis dit mais oui mais comme ça je peux m'en servir pour les bouchons aussi bah oui j'en mets avant. Puis j'en mets après. On laisse sécher. C'est nickel. Voilà. Je suis un peu obligée de me presser pour les achats. Bon, j'ai fait une autre commande. D'autres verres différents. Oui, non, mais quand je vous dis que j'ai été très malade, c'est que c'est le cas. En fait, tout est passé par le nez.
Et puis après, j'ai eu une crise de sinusite. J'avais pas le temps de prendre le mouchoir. Que ça coulait. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Bref, quoi. J'étais bien en train de dormir. Heureusement que j'ai tout protégé. Heureusement que j'ai mis des alaises de partout. Ça m'a pas empêché de dormir, mais alors le réveil, pas terrible. Bah, du coup, j'ai pris mes médicaments du matin parce que j'ai un médicament pour l'estomac. Donc voilà quoi, il a fallu que je fasse quelque chose. Bah, la crise de sinusite s'est passée toute seule. Et puis bon bah le reste s'est passé tout de suite quoi, mais ça fait 2 nuits que ça m'arrive. Franchement, c'est pas terrible. Non. Enfin voilà quoi. Pour le coup, ah, j'ai fait la connaissance de quelqu'un de très gentil. Très, très ouvert, très cultivé, dirais-je, par rapport à ce que j'ai d'habitude, hein, ça change. Ah oui, parce que, hein, voilà. Et puis, bah, quant à moi, bah, je me soigne. Pour la crise de sinusite, on est obligé d'attendre que ça passe. En fait, c'est la sinusite, c'est une poche qui est pleine de liquide. Et en fait, quand ça coule, c'est que la poche s'est percée. Donc il faut attendre que la poche elle se vide. Et puis bah, faut attendre que ça passe, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout, quoi. C'est tout pour le moment. Donc, je vous dis à plus, et voilà, et voilou.